Salut tout le monde, c'est Tolkien7 ou Apple Isa Pro pour la chaîne, et vu que c'est ma 100ème vidéo aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo autre chose qu'une MV pour casser un peu l'habitude, je sais pas comment dire. Je fais une vidéo sur Minecraft avec le Zigoto. Bonjour. Et on va vous montrer comment qu'on fait une super jolie maison de la mort qui déchire trop sa race, ou qui rocks du poney pour ceux qui veulent. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce serveur qui est le nôtre, il y a deux parties. Donc là on est dans la partie survival, où on ne cheat pas et on aura besoin de cheater pour créer cette maison, car certains blocs sont inaccessibles et eux aussi sera plus simple à créer en vrai. Donc voilà, donc ça c'est ma maison. C'est une maison spéciale 1.3 quand on va utiliser des nouveaux blocs. Tout d'abord, il est primordial de faire la base en émeraude. Attends, stop. Faut prévenir, on fait une maison jolie ou pas? On a fait la base. Ensuite, pour la porte, faut arrêter, hein. Arrêtez avec vos portes à la con. Pas besoin de faire une porte, il suffit de faire comme ça et mettre des lianes. C'est beaucoup plus classe. C'est beau. Rode qui sont très beaux. Ça, c'est moche. Ça, c'est moche. Ça, c'est beau. J'irais tout le contraire. Ensuite, bien entendu, l'éclairage, il faut le faire full glowstone, parce que franchement, la glowstone, c'est beau, ça a de la gueule, ça rend bien. Mettez-le bien dans les coins, ne mettez surtout pas de barrière là, ça gâchera tout l'effet magique de cette maison. Ensuite, l'herbe, c'est un côté naturel, il faut préserver l'environnement, laissez-la, elle vous a rien fait. Non, voilà, on va éviter de tomber dedans. Et ils ont changé la vue quand on regarde dedans. Yes. Voilà, tout le monde. J'ai terminé le toit. Ah bon, waouh. Et on se fera une petite soirée DJ en fin de vidéo, histoire que vous. Oui. Et bien sûr, ne pas oublier le toit qui alimente l'éclairage lorsque la disco est finie, parce qu'il faut l'éteindre. Et lorsqu'il faut l'éteindre, il faut un super bon truc. Mm-hmm. Ensuite, pour faire le jardin, déjà on va faire un petit slash time. On va se faire un petit jardin ici. Donc, ah, c'est toi qui fais la porte. Ah, c'est porte. C'est cool. Oui. Donc, pour le jardin, ne pas oublier, arrêtez de mettre des barrières, c'est moche. Mettez carrément des nether barrières. C'est beau. Venir voir mon magnifique arbre, je serai ébloui par sa beauté. Donc ça s'appelle la maison de la Légion d'Émeraude. C'est comme ça que je nomme cette merveille. Si qu'est-ce que t'es en train de faire? Lever le levier pour illuminer le toit. Ouais. Ce serait intelligent de le lever. On garde ça pour la fin de la vidéo. Bah évidemment. Mais avant, je vais faire une petite save du serveur parce qu'il y a quand même un motherfucking beau château derrière. Et ce serait dommage que... Ah là. Parce que ouais, le paysage autour compte aussi, hein, on peut dire. Première création magnifique sur Minecraft. La reine fuck. Ah non, pas celui-là. Donc ça, on va... C'est une maison, sympa. Mais une maison de fêtard. Pourquoi? Parce que c'est une maison de fêtard, quoi. Merde, c'est une discothèque. C'est le serveur Freebuild. C'est normal qu'ils soient en peaceful. Ouais, ça change, sais, mais bon, faut des amis. Vous savez à présent faire une jolie maison dans Minecraft. Bon, je finis comme ça. Ciao.